Bonjour les amis, c'est aujourd'hui les 5 ans d'anniversaire de TV Liberté et j'espère pouvoir m'y rendre dans les heures qui suivent avec Christine Tazin, mais quand je vois toute la neige qu'il y a dehors, quand j'entends les témoignages de certains amis qui m'ont dit qu'ils ont vu quelques voitures dans le fossé et même sur le toit, nous allons prendre une décision dans quelques heures, mais quoi qu'il arrive, pour marquer ces 5 années d'anniversaire de TV Liberté, j'ai décidé d'être œcuménique et je ne dirai aujourd'hui de mal de personne. Je sais, j'ai été très méchant ces derniers jours. Aujourd'hui, de mal de personne. Pas de mal de Chantal Perrichon, sur laquelle j'ai ironisé sur des orgasmes supposés il y a 3 jours. Pas de mal de Muriel Récidier, que j'ai qualifié de nonne des Insoumis il y a 2 jours. Pas de mal du maire communiste Éric Rouleau, qui a quand même à 4 contre 1 massacré la tête d'un vieillard de 80 ans qui était son voisin et qui lui reste en liberté jusqu'à son procès le 12 février, alors que le boxeur de Tinger, Christophe, qui s'est lui battu tout seul contre plusieurs policiers à main nue, sera lui incarcéré jusqu'à son procès le 13 février. Pas de mal du maire communiste Éric Rouleau. Pas de mal de Rantanplan Castaner qui nous annonce que les djihadistes qui vont revenir de Syrie sont d'abord français avant d'être djihadistes. Ben voyons. Pas de mal de la Belloubette, de Nicole Belloubet qui nous annonce qu'elle va libérer en 2019 une 30aine de djihadistes, nous on croyait que c'était 500, qui tous ont des expériences militaires et tout. Pas de problème, elle va nous les remettre dans la nature. Pas de mal de Choupinet Macron qui se reprend une nouvelle affaire avec Benalla, des enregistrements et qui continue à se foutre ouvertement de la figure du monde en se prétendant lui aussi gilet jaune. Pas de mal d'Édouard Philippe et de tout son gouvernement qui, pendant qu'ils enfument les Français avec le grand débat, continue à nous massacrer avec les augmentations des autoroutes, les augmentations du timbre c'était 10%, les autoroutes ça va être 2 à 3% et on nous annonce une augmentation de l'électricité de 6% pour le 1er mars. Œcuménie, je ne dirai de mal de personne, je voulais juste rendre un hommage appuyé à cette formidable aventure de TV Liberté, commencé dans les tuyaux il y a 7 ans, mise en place il y a 5 ans, une télévision patriote qui ne fonctionne qu'avec l'aide de ses auditeurs, de ses lecteurs, aucune publicité et une petite entreprise qui marche bien, une contre-information, l'ouverture à tous les réseaux patriotes dans toute leur diversité. Une boîte sympathique, quand on y va, on a affaire à du personnel jeune qui nous dit bonjour, qui nous salue. On a affaire aux vieux briscards comme Philippe Millot, comme Martial Bild, comme Arnaud Soyer, qui font partie du décor de l'équipe originale et qui sont toujours disponibles, qui ont toujours un mot gentil pour nous. Et puis, on a affaire à des gens qui nous donnent la parole, à nous aussi, comme ils donnent la parole à beaucoup d'autres personnes. Donc, j'espère ce soir pouvoir trinquer avec tous les amis de TV Liberté et surtout, longue vie à TV Liberté, longue vie à la réinformation, longue vie au patriotisme de résistance sur les réseaux sociaux, longue vie à la France. Bonne journée les amis.